Je suis Dominique Acker, je suis membre du Conseil national de la Nouvelle Résistance, mouvement qui s'est créé il y a un an en référence à la période de l'après-guerre au CNR qui en 1945 a réfléchi à des jours heureux, à un programme des jours heureux, et ça nous a fait réagir quand M. Macron nous a parlé des jours heureux. On s'est dit mais qu'est-ce que c'est que les jours heureux aujourd'hui avec les défis que vit notre population et notre peuple en prise avec la crise sanitaire, économique, sociale, climatique, etc. Voilà, donc j'ai été aussi, je suis retraitée et j'ai été dans une partie de ma vie professionnelle directrice d'hôpital. Ce qui m'a amenée à l'atelier aujourd'hui, c'est vraiment d'abord la souffrance des hospitaliers, qui s'exprime déjà depuis longtemps, puisque ça a commencé par les EHPAD il y a 3 ans, puis les urgences, puis tous les hôpitaux sont descendus dans la rue. Et le constat de se dire, il n'y a pas eu d'abord de réponse, puis quand il y a eu beaucoup de monde, il y a eu quand même une réponse, puis il y a eu le Covid, donc on n'a pas pu faire semblant de ne pas voir qu'il y avait des problèmes, et de se dire que le Ségur de la Santé, finalement, n'a pas répondu à toutes les attentes de ce que la population peut souhaiter sur un système de santé qui soit vraiment qui prenne en compte vraiment tous ses besoins. Donc c'est un peu ça qui m'a amené de pouvoir travailler avec ce collectif dont je salue la création et de pouvoir apporter modestement ma connaissance des rouages de l'hôpital. Je crois que ce qui est fondamental finalement dans une société, c'est quel investissement on met sur la santé. La santé, pas seulement au service du soin, mais la santé avec le bien-être. Aujourd'hui, on voit bien que depuis 2008, on a eu tendance à restreindre le budget qu'on mettait à la santé, notamment au niveau des hôpitaux, avec un fameux objectif national des dépenses de l'assurance maladie. Et finalement, c'est les hôpitaux qui ont été la variable d'ajustement par rapport à la médecine de ville. Donc on a tendance à opposer médecine de ville, hôpitaux, et je pense qu'une des choses qui pourrait permettre de mieux prendre en compte les besoins de la population, de mieux y répondre, c'est déjà d'avoir une meilleure fluidité entre la ville et l'hôpital. Aujourd'hui, on les oppose, on est dans la compétition, même la concurrence entre hôpitaux, entre hôpitaux publics, entre hôpitaux publics et privés, alors que je pense que les enjeux de la santé, ils exigent de la coopération. Et mon expérience que j'ai eue aux hôpitaux de Saint-Louis, elle a été toute dans la coopération. J'ai vécu l'époque du sida, l'époque de la réduction des risques en matière de toxicomanie, et j'ai vécu la paupérisation de ces habitants de la Seine-Saint-Denis. Et donc, la réponse qu'on a pu apporter, ça a été de se mettre ensemble, de se rencontrer avec les médecins de ville, de se rencontrer avec les institutions de la ville, avec les centres de santé, entre les services hospitaliers, les urgences, parce que vous voyez, les urgences dans l'hôpital, c'est un peu le réceptacle de tout ce qui se passe dans la société, c'est comme on dit souvent, le dernier endroit où il y a de la lumière. Et donc, on a travaillé tous ensemble, à la fois pour répondre à ces besoins, pour savoir comment dans nos projets, nous, hospitaliers, on pouvait intégrer leurs besoins, comment on pouvait faire remonter au niveau régional de ce qui n'était pas encore une ARS, mais ce qui était la DRAS au début de l'ARH, peu importe, de pouvoir faire remonter nos besoins et pouvoir obtenir des moyens pour inventer une autre manière de soigner. Une manière de soigner qui est non pas d'attendre que les gens viennent, parce qu'on sait qu'il y a toute une partie de la population qui ne viendra pas ou qui viendra au dernier moment. Moi, j'ai été bouleversée par des gens qui arrivent avec des cancers en phase terminale, enfin, voilà. Et aller vers, tous ensemble, travailler dans la coopération, chacun à sa place, mais pas dans la compétition. Voilà, moi, ce que j'aimerais pouvoir défendre. Mais pour cela, il faut à un moment donné que la nation considère que cette santé, c'est un investissement, c'est pas une dépense publique, mais c'est vraiment ce qui est aussi moteur de notre vie et de notre population.
il faut qu'on prenne conscience que c'est un investissement, un besoin national, une réponse à vraiment un besoin commun qui est le moteur de notre vie, comment vivre mieux. C'est aussi le fait de décloisonner, qu'on n'a pas le soin d'un côté, le social de l'autre, l'alimentation d'un autre encore, ou le logement, ou la pollution. Non, tout ça, c'est des composants de notre santé. Et on sait aujourd'hui que les déterminants socio-économiques sont fondamentaux, que les conditions de vie, on l'a vu avec le Covid, sont aussi fondamentales par rapport aux inégalités de santé. Tout cela, ça vient d'être d'ailleurs très récemment révélé par un rapport qui s'appelle « La pauvreté démultipliée », qui a montré comment le Covid a exacerbé ces inégalités du fait des conditions de vie, des gens qui étaient tous ensemble et qui ne pouvaient pas s'isoler, donc qui ont passé le Covid, y compris aux aînés. C'est, j'imagine, la culpabilité qu'ont pu avoir les gens qui étaient dans cette situation, qui n'ont pas pu faire autrement. Il faut travailler ensemble, santé, sociale, environnementale, alimentation. Et alors, après, c'est vrai qu'au sein des institutions, j'ai bien noté la souffrance des hospitaliers qui disaient, voilà, on nous transforme, on a des injonctions administratives, on n'a plus les moyens. Et le Covid a été une parenthèse enchantée, parce que tout d'un coup, c'était nous, soignants, qui disions de quoi nous avions besoin, et on nous le donnait. Enfin, pas tout de suite, parce qu'ils n'ont pas eu les masques et tout ça, mais à un moment donné, on a expérimenté le fait de partir des besoins et de pouvoir aller et satisfaire ses besoins. Pour moi, mais c'est la règle d'or du fonctionnement de nos institutions et d'un hôpital. Après, ça se discute, il doit y avoir consensus, mais comment ne pas respecter les besoins des personnes, les besoins des soignants, mais les besoins de la population, les besoins des personnes différentes, des personnes qui ont un handicap, par exemple. Ils ont des besoins, pourquoi on décide à leur place? Il faut prendre leur... répondre à leurs attentes pour savoir les exprimer, puisqu'on dit aujourd'hui beaucoup, ce sont des invisibles. Il faut qu'ils prennent la parole. Il faut qu'ils prennent la parole, et ça se fait sur le terrain. Ça peut se faire dans des luttes, ça peut se faire aussi autour de centres de santé. C'est ce qu'on appelle la médecine communautaire, ce qu'on appelle le aller vers. Et je pense que c'est... on commence à mettre en place des médiatrices de santé, des gens qui vont faire l'interface entre ce système de soins qui peut être un peu rébarbatif pour certains, d'abord parce qu'il peut y avoir des problèmes de langue, et donc de plus en plus, je pense que les expériences qui mettent ça en pratique montrent qu'on a un gain énorme en satisfaction, en bonheur pour les gens, et puis en personnes prises en charge. Je discutais il n'y a pas longtemps avec un médecin, c'est un patient venait le voir, il avait des problèmes d'estomac. Et ce médecin qui connaît bien sa population, parce que c'est de la médecine communautaire, ils connaissent les gens qui soignent, il lui dit « Mais t'as pas un petit problème de boulot ?»« Ben oui, j'ai décroché un boulot, mais c'est à 2 heures, j'ai pas de voiture, etc. » Ben, il lui a dit « Attends, je vais t'aider à trouver une voiture. » Et le gars, et ben, ses problèmes de santé ont disparu, parce qu'on a pris en compte l'ensemble de son besoin, c'est une approche holistique, l'ensemble de ses besoins, et que du coup, on a réglé le bon problème. Je pense notamment, il me vient un autre sujet qui est un peu parisien, excusez-moi, mais il y a actuellement une polémique sur les consommateurs de crack qui se retrouvent dans un jardin dans Paris, et sur pression des habitants, la mairie a décidé de fermer le jardin. Mais quand on regarde qui sont ces personnes, c'est des personnes SDF, c'est des personnes qui ont plein de problèmes. Et est-ce qu'on a essayé d'aborder l'ensemble de ces problèmes pour résoudre la question? Non, on prend une décision autoritaire de dire, et on oppose la population et ces gens-là, alors qu'on pourrait essayer de comprendre, de faire se parler les gens. Donc moi, je suis persuadée qu'on progressera si on fait de la coopération, si on part des besoins, si on travaille ensemble et que, éventuellement, on sorte des règles de financement de la santé aujourd'hui. Soit les règles de T2 à l'hôpital, mais moi, je pense que le paiement à l'acte qui favorise la productivité
et non pas la prise en charge globale des besoins de la population, c'est un modèle qui est dépassé. Dépassé. Je ne sais pas comment on arrivera à poser cette question, parce qu'il y a évidemment beaucoup de gens qui sont très attachés, y compris parce que c'est du revenu derrière. Mais je pense fondamentalement qu'il faut réfléchir à une autre approche globale de la santé et de nos institutions. Thank you.